Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer les différents QR codes que l'on peut trouver pour obtenir les tenues de Wusapien. Donc bien évidemment, on vous mettra les QR codes sur l'image au moment de les scanner pour que vous puissiez les obtenir. Donc il en existe 4, donc j'imagine qu'il existe 4 tenues différentes de Wusapien. Donc on sait pas du tout comment on va les mettre, comment on les enfile, etc. Si on peut les enfiler, à quel moment et à quel stade du jeu. Mais je sais que globalement, c'est censé changer les stats du yokai. Donc on découvrira tout ça ensemble. Du coup, on va découvrir ensemble la première tenue de Wusapien et c'est son équipement de plongée. Oh, nickel. Et en plus, on obtient une pièce bleue avec. Voilà, nickel. Ah bah ça, je ne savais pas, vous voyez. Alors voyons voir un petit peu la deuxième tenue. L'équipement de football. Nickel. Alors est-ce que tu penses qu'il y a son... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si ça compte dans les équipements, sa tenue rose. Hein. Je ne sais pas du tout. La troisième tenue est tout simplement l'équipement militaire. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu les différentes stats qu'il va y avoir ensemble. Ouais. Et enfin, la dernière tenue, l'équipement de course. Alors, j'aurais tout imaginé sauf ça. Maintenant, on va... Ah, tu peux maintenant te changer de costume dans le placard secret au sous-sol. Bien. Et donc là, on a débloqué le placard. Ah, mais c'est le truc qu'on disait qu'on n'avait pas débloqué dans un épisode. Oui, exactement. C'est les costumes spéciaux obtenus sont gardés dans le placard secret. Le placard secret est, est une chambre secrète au sous-sol. Donc du coup, il y a aussi les tenues de Jibanyan Busters et Komasan Busters. Sauf que celle-là, je sais pas comment on les a. Oh, oh. C'est donc ça le fameux distributeur. Oh, grave stylé. Ah ouais. Ah mince. C'est trop ça, c'est dommage. Il y a un problème de droit d'auteur là. Ah oui. Il y a un problème là. Ok. Alors du coup, on va essayer les tenues. Alors il nous en manque une, je sais pas ce que c'est la dernière qui est ici. On va les essayer tous ensemble, moi j'essaye la tenue de plongée pour voir. Ah, on peut les mettre aussi sur... Ah non, d'accord, ok. Non, c'est une okay. Donc là, on en a une, deux, trois, quatre, forcément, c'est celle qu'on a obtenue. Voilà. Alors la tenue de style football, elle est plus sur la force. Il y a un peu plus de points de vie que les autres. C'est vraiment trop bien, en plus son attaque, son ultime, à chaque fois elle change. Oui, exactement. C'est trop chouette. Ah, remarque, non, celle-ci, la tenue de plongée, elle a l'air d'être vraiment sympa aussi, mais c'est vraiment celle-ci qui a la plus haute force. Hein. Globalement, dans toutes les tenues, il est rapide. Après, c'est la défense qui va un peu changer. Par contre, la défense, c'est vraiment pas mal dans la tenue. Mais c'est trop sympa. Ah, et à chaque fois, ça débloque un nouveau yokai. Sérieux? Ouais. Alors du coup, je me demande juste quelle est la cinquième tenue qu'il y a, parce que du coup on l'a pas débloqué et je sais pas du tout. Donc sachez qu'on partage les QR codes avec vous parce que ces tenues étaient en fait disponibles sur des médaillons. Pour les avoir, il fallait avoir les médaillons avec le Wusapien habillé dans la bonne tenue. Donc du coup c'est un petit peu difficile en fait d'avoir les tenues à moins que quelqu'un mette les QR codes en ligne. On a cherché un petit peu sur internet et il n'existe que 4 tenues pour Wusapien. Du coup on se demande vraiment quel est le cinquième emplacement à cet endroit là. Bah oui, parce qu'il n'existe que 4 médaillons avec des tenues et visiblement ce sont les 4 tenues répertoriées pour lui, donc voilà. Pas. Si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça fera très plaisir. Et puis c'est tout pour cette vidéo, écoutez, parce qu'on ne sait pas du tout encore comment débloquer au stade où on en est nous dans le jeu, de débloquer les tenues de Jibanyan et Komasan version Busters, peut-être que ce sera au fur et à mesure de l'aventure et je vois pas d'emplacement à moins qu'il y ait un chemin avec cette porte qui s'ouvrira plus tard. Hein. Ah, peut-être bien. Je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, dites-nous si du coup ça vous a aidé pour trouver les costumes. On vous fait d'énormes bisous et puis... Allez, salut tout le monde.